Chez les surveillants pénitentiaires. C'est ici même que le 21 mars dernier, l'indépendantiste corse, Ivan Colonna, a été tué par un détenu radicalisé. Une procédure disciplinaire est en cours contre le surveillant chargé du secteur ce jour-là. Le seul bouc émissaire, in fine, de cette enquête est un simple surveillant en bas de l'échelle. Nous dénonçons ce fait. Il est à l'heure actuellement inadmissible que l'administration pénitentiaire se décharge ainsi sur un personnel, alors que bien d'autres sont responsables tout autant, si ce n'est plus. Un rapport de l'inspection générale de la justice publié le 28 juillet pointe du doigt l'absence du surveillant au moment de l'agression. En soutien à leurs collègues et à l'appel du syndicat Ufa Punsa Justice, les surveillants de la maison centrale d'Arles ont décidé de bloquer totalement l'établissement ce jeudi. Ils dénoncent des conditions de travail déplorables. Les surveillants, c'est des couteaux dessus. Ils doivent tout faire. Ils doivent être psy, ils doivent être assistantes sociales, ils doivent être surveillants. On travaille vraiment avec le minimum d'agents. Je veux dire, on voit très bien que on, on, est, euh, on est sur des modes dégradés, on est, on est le, le, la dernière roue du carrosse et, et on ne nous donne pas de moyens. On est encore avec un siècle de retard. Ce n'est pas possible. Le syndicat attend du gouvernement et de l'administration pénitentiaire qu'ils assument leur part de responsabilité et demande la création de lieux de détention à part pour les détenus radicalisés. Ces personnalités-là, ces profils de détenus, il faut les mettre dans des établissements spécialisés. On ne peut pas les gérer avec les autres. Donc, il nous faut nous donner les moyens pour fonctionner correctement. Le blocage pourrait se prolonger sur plusieurs jours. D'autres syndicats de la maison d'arrêt ont décidé de rejoindre le mouvement.